je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous essayons de les décortiquer en leur donnant une forme ou un sens selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de le ressentir et surtout de les communiquer. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission et je tiens à vous dire sincèrement la main sur le cœur, merci. Merci pour la confiance énorme que vous n'arrêtez de nous témoigner. Vous êtes aujourd'hui plus de 75 000 à avoir choisi de s'abonner sur notre chaîne. Continuez s'il vous plaît à les faire. Appelez vos membres de famille, vos proches à pouvoir s'abonner sur CPL Télévision s'ils tiennent à voir l'information. Alors la très bonne information parce qu'ici l'information elle est donnée sans couleur et sans tendance. Merci donc à vous et merci à l'équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous, des jeunes gens très dévoués qui sont là nuit et jour. En votre nom à vous tous, je tenais donc à leur dire très sincèrement merci pour la qualité du travail, pour l'abnégation qu'ils n'arrêtent de témoigner par rapport au travail que nous faisons ici. Je vous dis les amis, j'ai toujours dit, vous savez, quand on a décidé de garder une certaine neutralité dans le travail que nous faisons, quand on se dit « je préfère me battre avec mes moyens des bords, seul », il est extrêmement difficile de travailler comme média en République démocratique du Congo. Le modèle économique des médias est tel que, aujourd'hui quand vous regardez les médias à Kinshasa, il y en a, je parle d'abord de TNT, les médias qui émettent en clair, il y en a, si c'est 200, les radios n'en parlons pas. Mais il faut voir dans quelles conditions les journalistes qui sont là-bas travaillent. Il y en a des médias qui sont logés sous des containers parce que la situation elle est tellement compliquée que les médias doivent cravacher nuit et jour pour pouvoir exister. Évidemment, un de mes amis disait, d'ailleurs je lui donne raison, un pays pauvre ne peut produire qu'une presse pauvre. Parce que quand les journalistes sont encore, à l'heure où nous parlons, confrontés à des situations, des paiements de leurs loyers, leurs enfants sont renvoyés à l'école. La tentation elle est tellement grande qu'on risque de céder très rapidement aux sirènes, parfois des pêcheurs à nos troubles, et de s'écarter de la bonne voie. Donc nous avons décidé de ne pas vendre notre âme et nous tenons donc à travailler avec neutralité, sans couleur, sans tendance. Bien même que certaines personnes dans la logique de Ségribana, mais on est bien à 12. Ma congolais va kino va ebinga na mona Kinshasa na banana fana na bandal mon bandal maison me baba 12 soir episode 12 donc kadiosha wa toi des pas venga kadiosha peli c'est le moto na ligambo yebite. Donc quand les gens n'arrivent pas à vous rencontrer sur la base des éléments que vous posez sur la table, quand les gens n'arrivent pas à vous contredire sur les griefs probants que vous retenez contre eux, ils sont en train de chercher des stratégies. Alia Kimbongo tel muta tinda ki messieurs. Est-ce que Magamuna Goloba Ezaya Lokuta Toya Solo? Il faut tout le bango. Moi j'entends ces critiques-là de la part de nos amis de l'UDPS. Eh, Perro Luara, Azara Katumbi, Aliagimoka Katumbi, Perro Luara. Je posais une question un jour à quelqu'un. Je n'ai pas envie de me justifier parce que j'avais même décidé de jamais parler de cette situation-là, mais je ne sais pas pourquoi je rentre le débat. Oh, Aliaki Monga Katumbi, non pas Pakoumisa Katumbi, Maliaka Monga Katumbi, pas critiquer le président Tshisekedi. Oh. Donc, lui Katumbi là, il n'a rien à faire, il vient prendre les gens, après ça va au Bamongo, pour lire Bamongo, pas critiquer le président Tshisekedi. Mais le président de la République est en fonction. Le président de la République est issu d'un parti qui se veut un parti de démocratie. Il est le fils de Tshen Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire, qui a construit sa carrière politique et même toute sa vie sur des valeurs, notamment démocratiques.
des valeurs de liberté d'expression, des valeurs de critique. Son propre parti, l'UDPS, près de 40 ans, ils ont construit leur histoire sur les manifestations publiques, sur la dénonciation. Les insultes et les injures que la plupart des hommes politiques ont subies venant de l'UDPS, M. Tshisekedi ne le reçoit pas. D'ailleurs, je ne prêche pas pour les insultes et pour les injures. Je ne crois pas que la vie politique et les débats politiques puissent accepter une telle bassesse. Il ne faut pas qu'on amène les débats politiques dans le caniveau des injures et des insultes. Mais je suis en train de planter les décors et je suis en train de rappeler tout simplement l'histoire. C'est dans ce pays que l'UDPS a dit que Kabila n'était pas rwandais, qu'il volait le pays, qu'a Tekamboka, tout ça. C'est dans ce pays que les combattants de l'UDPS ont dit qu'il y avait une femme. On a insulté cette femme-là dans Nzotonaï à Bomoisi. Qui n'a pas suivi la vidéo scandaleuse dans un parlement debout ici où on insultait Jeannine Mabunda, à l'époque présidente de l'Assemblée nationale, même dans ses parties intimes comme femme. Aujourd'hui, si les gens se lèvent pour côté le Mélabakeba critiquer Bango, les champions de la critique et même des insultes, c'est à l'UDPS qu'il faut aller les recruter. C'est vraiment à l'UDPS. C'est aussi contradictoire que ces partis-là, aujourd'hui, arrivent au pouvoir. Et ils veulent installer je ne sais pas moi quoi. Avec des intimidations et hontées. Non, non. Ici, dans ce pays, l'UDPS, tu sais qu'il dit, le père nous a dit, amenez-moi Kabila, alors président de la République, vivant ou mort, ici, dans ce pays. Il a prêté serment dans son jardin, ici, à Limité. On est dans ce pays. C'est l'histoire là. Une histoire récente. Non, mais c'est vrai qu'avec l'histoire, je peux connaître ce qui s'est passé. Notamment en lisant l'histoire politique du pays. Mais non, mais Tamasolo, Oyo Nazalaka. Ah, on a Congo. Déjà journaliste dans les Ghana TV. Dans les Ghana TV. Donc c'est l'histoire récente ici. Mais je ne m'explique pas. Je ne comprends pas que cela. Qui était hier champion dans les critiques, champion même dans les insultes, qui sont encore aujourd'hui champions dans les insultes, deviennent aussi réfractaires, aussi allergiques aux critiques. Aussi à des critiques. Les amis, je le disais, j'ai reçu récemment ici Alain Bolodjoua, lorsqu'il était en train d'expliquer que ce régime avait échoué, tout ça, tout ça. Nous sommes à l'heure de la technologie moderne. Allez sur Internet et tapez mon nom ou écrivez débat Perrault. Vous allez voir. J'ai cru en ce régime de l'UDPS. J'ai cru au président Tshisekedi. Au point où il vous souviendra que ce plateau était transformé à une tribune de soutien à ce régime. Moi, j'étais sur tous les plateaux de télé en train de débattre. Il est vrai qu'aujourd'hui, je n'aime plus trop les débats politiques. Mais c'était mon exercice préféré. J'étais sur le plateau de télé ici. Sur tous les plateaux de télé le matin, j'étais à kiosque. Après, on a qui Bosolona politique. Après, on a qui Nani RTGA. À l'époque, tout le monde disait ah, Perroza Ramoulouba, Rakasayen. Bakile Zoganga, Rakasayen, Zo soutenir frère Naye. Et à ce moment-là, je ne le disais pas parce que mon frère me donnait l'argent. Parce qu'à l'époque, on me critiquait, on disait que je soutiens mon frère. Poser la question à l'UDPS. Qui de l'UDPS m'appelait à ce moment-là pour dire non, Zombo Yango Kelo Belabiso? Non, je le faisais parce que je croyais en Tshisekedi. Je le faisais parce que je me disais non. Il est aujourd'hui tellement contradictoire et je ne m'expliquerai pas que Félix Tshisekedi Tshilombo, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, puisse aller convoler un os avec un Kabila, un homme honni, un homme vomi par les Congolais, dont la gestion a été tellement scandaleuse, favorisant la gabégie, la dilapidation de nos ressources. Je disais au président, non monsieur le président, pas comme ça, pas avec lui. Mais aujourd'hui, 3 ans après, et plus d'une année après la séparation d'avec Kabila, je me suis rendu compte que l'UDPS n'a aucune vision pour gérer ce pays. Aucune vision. Je lance un défi à quiconque les veut relever, qu'ils vous disent quelle est la vision de Tshisekedi ou la vision de l'UDPS sur la gestion de la République. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous dans 2 ans? Dans 2 ans. Ils sont là depuis 3 ans. Quelles sont les réformes importantes qu'ils ont apportées dans tel ou dans tel autre domaine? Ils ne le vous diront pas.
ils ne le vous diront pas. Parce qu'ils n'ont, ils marchent à vue, ils n'ont pas de boussole, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de politique publique réfléchie, mise en branle. Non! L'UDP, c'est venu pour nous installer un régime basé sur la jouissance et le détournement. La jouissance, le détournement et le scandale. C'est ça qui symbolise le régime de l'UDP. Une bourgeoisie comprador qui s'installe et qui tient à s'accaparer maintenant de toutes les richesses de la République. Mais le dire, c'est de ne pas être contre le régime. Le dire, c'est de ne pas être contre le président Tshisekedi. Le dire, c'est être comme un lanceur d'alerte, quelqu'un qui monte, qui agite, qui dit, mais attendez. Et puis à un moment donné, nos amis de l'UDPS, toute œuvre humaine a toujours des failles et des limites. Comment est-ce que 3 ans après votre marche, vous êtes incapable, Kabila le faisait avec ces gens ici, s'est retiré en atelier à gauche et à droite, de vous retirer, même en atelier de réflexion, pour évaluer un peu la marche de la République 3 ans après votre arrivée au pouvoir. Comment vous pouvez aller comme ça, tête baissée, une politique d'autruche, où les gens n'est... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a des réformes importantes qu'il faut faire. À la présidence de la République, au cabinet même de son Excellence, Monsieur le Président. Mais même à l'UDPS, les gens se plaignent. La diaspora, les mikilistes qui sont là-bas, ils ont en 3 ans montré leur insuffisance. Ils n'apportent aucun soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La plupart des Congolais les disent. Que nos amis de la diaspora qui sont arrivés là-bas, en tout cas en 3 ans, aujourd'hui, si on doit dire que le président de la République a échoué, ceux-là qu'il a ramené de l'Europe là, ils sont pour beaucoup. Ils ont déshabillé, désacralisé les fonctions d'État. Mais comment est-ce que l'UDPS, comment est-ce que les autorités de ce parti qui sont arrivés au pouvoir ne peuvent pas une seule seconde se dire non, 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 arrêtons-nous quand même. Entendons un peu les alarmes de ces publics, de cette population que nous sommes censés gérer. Que nous sommes censés apporter un mieux-être. Bon, il y en a non, bon, il y en a un tellement. Bon, à peine à pouvoir, bon, si vous êtes mandat, bon, bon, c'est plus l'argent qui manque. Vous n'êtes plus un parti d'opposition, sauf pour la plupart des militants qui sont encore là-bas sous les bois, sous les arbres, bah, ils ont souffert. Non, on peut se retirer calmement et on évalue un peu la marche. Une évaluation sérieuse. Voici, quand on est arrivé, les espoirs que nous avons portés, voilà, voilà, nous pensons que là, nous avons échoué ici, nous avons échoué ici, il faut rectifier le tir, il faut faire ça, c'est possible de faire ça. Mais quand on leur dit ça, ah non, 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 Kadiocha, 12, Bakrele au 12. 12 va créer au 12. Et comme maintenant ça va parquer, et comme il y a qui va mourir à mon tutelle. Non, les amis, non. Ce peuple a atteint un certain degré de maturité que ça va devenir difficile que tout le monde à la Ligue à bouillir, tchikitcha, tchikitcha, à menacer, va tout. Non, 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 non. Tu sais que Diwa Mulumba a fait un grand travail pour réveiller les Congolais. Aujourd'hui, les gens peuvent te dire non, pas ça. Pas ça. Que cette marche. Où cette direction prise dans la gouvernance, dans la gestion de la République, elle n'est pas bonne. Le dire, ce n'est pas être contre l'UDPS. Voilà. Les choses doivent être comprises comme ça. Voilà. Je suis donc heureux. Laissez-moi juste dire un mot en remerciant mon partenaire, la boutique La Londoloise. La boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Bilamba qui toko, Molatisi qui toko, Yemoro qui toko, maman a Lucille na Nino. Mbote belé, si abo ali, donc wamo amo bali, ou nous l'a bien. Luka Judith Londolé Betoko. Veste, cravate, chaussures, chemise, sous-vêtements, cinglés, basket, tout ce qui concerne l'habillement homme, chaussures, tralala. Allez, c'est Judith Londolé Betoko, procurez-vous. Commandez, en passant d'ailleurs, les t-shirts que j'aimais aujourd'hui. C'est aussi à elle, notre partenaire Judith Londolé Betoko, qui m'habille. Un mot par rapport à l'Est de la République. Depuis hier, ou depuis le début de la semaine, il y a quelques problèmes. Il y a des bruits, des bottes dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai fait un décrit le tout dernier dans lequel je plantais le décor. Je vous ai donné la vérité, selon moi, de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je me suis interrogé sur la gouvernance, ou plutôt la politique extérieure menée par le président Tshisekedi, et j'ai mis en exergue la contradiction
des narratifs du gouvernement, vous avez un ministre de la communication et des médias, M. Patrick Muyaya, qui la veille est véhément contre le Rwanda, il accuse le Rwanda d'avoir aidé le M23 à faire son incursion. Il note que son collègue des affaires étrangères va convoquer l'ambassadeur du Rwanda. Vous avez un gouverneur militaire qui dit la même chose, mais le lendemain, le même Patrick Muyaya vient jouer aux apaisements cette fois-là sur RFI. Quand on regarde la situation, on se dit, bah, Bendy Mato, il va s'allier Nini. J'ai donné un certain nombre d'éléments. Un peu pour vous dire, les amis, que les échos, ou plutôt les bruits que nous faisons ici sur l'Est de la République, ce n'est pas pour rien. Ça tire chez nous, ça tue, ça viole et ça massacre chez nous. Ne l'oubliez jamais que le Congo est le seul bien en commun que nous avons, nous tous. Si aujourd'hui nous perdons ce pays, nous ne serons plus fiers d'être Congolais. Nous l'avons hérité de nos parents et de nos ancêtres. Notre rôle, nous, comme génération actuelle, c'est de travailler pour améliorer les conditions que nous avons héritées et surtout, léguer un pays mieux que ce que nous avons reçu. Et d'ailleurs, vous allez lire l'hymne national qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Mais là, ça ne va pas. Balali Balamouki va lancer état de siège, Balali Balamouki va continuer au Ouganda, tout ça c'est compliqué. Aujourd'hui on nous dit que Bounagana est contrôlé par le M23, personne ne vous dit la vérité. C'est compliqué ces choses-là. Donc moi je l'ai fait pour alerter l'opinion sur ce qui se passe dans l'Est de la République. Parce qu'au-delà de tout, les Congolais décèdent dans Baba Bitumbawana. Les Congolais sont en train de décéder dans Baba Bitumbawana. Donc, Mbokanabiso et Amalamouté, Mbokanabiso a un problème, tout élément. Total la mutamu te sika nyoso to azali na likambo salaka pona kobongisa mboka likambo mibale la ngai na loba rango aussi pour exprimer ma solidarité et mon soutien à nos compatriotes de l'Est de la République. Deux choses à faire à mon point de vue. Un, améliorer les conditions de nos militaires, renforcer l'armée, donc c'est-à-dire avoir une armée républicaine bien payée, professionnelle et bien équipée. Et deuxièmement, identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs de ficelles, les traquer, les punir. Si on met ces deux éléments à mon point de vue, on peut éventuellement entrevoir la sortie du tunnel par rapport à la situation dans laquelle on vivrait dans Mboka. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'Est de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'en venir à mon sujet. Je suis en train de parler un peu de cette polémique née de la publication d'un sondage par la maison de sondage Bercy qui note les intentions défavorables des Congolais à monsieur le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai vu les communicateurs de l'Union Sacrée se rependre dans les plateaux de télévision ici pour tenter de contredire, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de se battre contre le vent. C'est compliqué de se battre contre les vents et de gagner. Mais avant d'entrer en profondeur, laissez-moi d'abord vous proposer cette interview réalisée par nos confrères de TV5 Monde avec mon ami Trésor Kibangula, membre du groupe d'études pour le Congo, d'ailleurs qui a demandé ces sondages auprès de Bercy. Écoutez un peu les éléments qu'ils mettent en place. Moi je reviendrai, je donnerai mon point de vue et on va faire comme on a l'habitude de faire à la fin. J'ouvrirai les micros pour que, plutôt le téléphone pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir. Suivons Trésor Kibangula et retour tout de suite après. L'an 3 de Tshisekedi, la fin de l'embellie, c'est le nom du rapport qui présente les résultats d'un sondage réalisé en décembre dernier par le Bureau d'études de recherche et de consulting international, Bercy, le groupe d'études sur le Congo, GEC, et Ebouteli, son partenaire de recherche en RDC, une étude qui enregistre le plus bas taux de popularité du chef de l'État congolais depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Pour en parler, nous sommes avec Trésor Kibangula, bonsoir, analyste politique à Ebouteli. Trésor, on va regarder dans un instant l'un des sondages que vous avez fait. Visiblement, l'état de grâce n'aura duré que 3 ans à RDC pour le président Félix Tshisekedi. Seuls 28,91% des Congolais interrogés en décembre dernier affirment avoir une bonne opinion de lui. Oui, c'est un peu la principale interrogation de ces sondages. Est-ce que nous sommes là en train d'assister à la fin de l'embellie, à la fin de cet état de grâce? Parce qu'au départ, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir début 2019, il est plutôt bien accueilli. Il y avait un tel désamour du régime précédent que les Congolais se sont mis à rêver, à penser que les choses allaient plutôt s'arranger. Et cela, c'est transparent même dans le
premier sondage qu'on réalise après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, à mars 2019, par exemple, le président Tshisekedi est très haut dans les opinions favorables, plus de 60% d'opinions favorables. Donc, à l'époque, on laissait pourtant coincé, sans marge de manœuvre suffisante, face à son allié de l'époque, Joseph Kabila, qui a conservé la mainmise sur toutes les institutions, la plupart des institutions, les gouvernements, les parlements. Mais malgré cela, le président avait quand même suscité beaucoup d'espoir, cette alternance donc pacifique au sommet de l'État. Et à la fin, cette alliance a explosé en fin 2020. Et le président a retrouvé toutes les marges de manœuvre pour essayer d'imprimer sa vision politique. Mais les signaux des changements, surtout du côté de social, ont tardé à venir, tandis que les promesses se sont multipliées. Conséquence, entre mars 2019 et mars 2021, déjà, le président avait perdu 10 points. Mmh. Et cette tendance a continué jusqu'à aujourd'hui avec les résultats qu'on vient de publier. Mais alors, comment expliquez-vous cette chute dans les sondages, Trésor ? Alors, notre rapport pointe plusieurs facteurs. Hein. Plusieurs projets annoncés par les chefs de l'État sont restés à la case départ. Il en est de même de mesures phares de ce régime. C'était déjà le cas avec la gratuité de l'enseignement annoncée et mise en œuvre dans l'impréparation. Aujourd'hui, on parle de l'état des sièges, par exemple, qui est instauré à Ituri et dans le Nord Kivu, qui est un peu boudé ou désavoué par les populations de cette partie du territoire national. Il y en est de même aussi de la lutte contre la corruption, hein, l'autre leitmotiv même de ces gouvernements qui finalement est superficiel parce que on a eu sans doute de grands procès. On a eu le directeur du cabinet du chef de l'État qui a été arrêté. Il y a eu les procès des 100 jours. Mais finalement, cette lutte contre la corruption n'est pas structurelle. C'est menée par une institution rattachée à la présidence, alors que la Cour des comptes, par exemple, attend toujours des moyens pour mener des enquêtes et contrôler, assumer ces contrôles des institutions. Les contrôles parlementaires non plus n'est pas efficace. Donc, tous ces signaux montrent que, voilà, il y a eu beaucoup d'espoir, mais finalement, la population congolaise commence à s'impatienter. Trésor, il ne nous reste plus qu'une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette baisse de cote de popularité de Tshisekedi aurait profité à ses opposants ou ses concurrents à la prochaine présidentielle ? C'est très important parce que c'est là aussi un enseignement capital de ces sondages. Donc, bien que le président, ce n'est pas parce que le président perd, pas parce qu'on constate cette forte baisse de popularité de Tshisekedi que les autres concurrents en profitent. Au contraire, on a constaté aussi qu'il y a une sorte de statu quo et d'autres opposants ont même perdu aussi en termes de popularité au cours de cette période. Sans doute parce que les Congolais attendent un peu plus de clarté dans le positionnement des uns et des autres. Moïse Katoum, par exemple, on attend qui se décide de quitter ou de rester, d'assumer son positionnement d'opposant ou de rival potentiel à Tshisekedi. Et on attend aussi des Fayulu, des prises de position un peu plus claires par rapport à son rapprochement ou pas avec l'ancien régime. Donc tout ça, peut-être plus on s'approche de la présidentielle, plus il y aura plus de clarté au niveau des politiques et ça permettra aux Congolais de bien trancher parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une démobilisation politique et ça se remarque même dans l'indécision. Il y a beaucoup plus de Congolais indécis aujourd'hui en République démocratique du Congo. Un Trésor Kibangula, merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique à Ebouteli qui a co-réalisé l'étude de l'entroi de Tshisekedi, la fin de l'embellie, point d'interrogation. Merci beaucoup à notre ami Emmanuel qui est de l'autre côté de la régie, qui nous a proposé donc cet élément. Là, vous venez de suivre, les amis, la communication des GEC, les groupes d'études pour le Congo qui a commandé ces sondages organisés par les groupes Bercy. J'ai reçu beaucoup de communicateurs de l'UDPS et de l'Union Sacrée ici. J'ai entendu certains proches du président Tshisekedi parler en disant « Non, c'est commandité, on sait. » Mais les gens, à un moment donné, ils doivent être sérieux. Les gens, à un moment donné, doivent être honnêtes, doivent être sérieux. Et doivent être honnêtes. Et puis, nous devons, à un moment donné, apprendre à nous taire devant les évidences. Mais le premier à établir un bilan catastrophique de son mandat, c'est le président Tshisekedi lui-même.
Le président Tshisekedi, déjà dans son discours de 6 minutes, quand il évoquait le fait qu'il devait se séparer de Kabila, il a dit aux Congolais qu'il a déçu les espoirs des Congolais parce qu'il avait placé son espoir sur le mariage Kabila, un mariage imposé par les résultats des urnes. Mais il a dit devant nous tous que ce mariage-là n'a pas apporté les fruits escomptés. Quand il parlait de son discours, il disait « je n'écarte aucune possibilité » et il a dit en Chiluba « Moussa le bandi, Mujimu wabangi, kazi inaisha » et na kikongo na bosani balobani. Kikongo bino wa kongo balobani. Na bosani na kikongo. Le président, déjà à ce moment-là, il établissait un bilan catastrophique de sa gestion parce qu'il reconnaissait devant la nation qu'en 2 ans de couple avec Kabila, les choses n'ont pas marché. Le président est encore allé loin. Regardez tous ses déplacements, notamment à Mbujimayi. Quand le président de la République lui-même, devant son frère, utilisant même certains adages tribalo-ethniques pour expliquer à ses frères, quand il a évoqué Machia Moumenou plutôt, le président a clairement dit que je n'ai pas répondu à vos attentes. Il a presque demandé pardon. Donc, le premier à reconnaître que ça ne marche pas ou ça n'a pas marché, c'est Tshisekedi lui-même. Suivez son tout dernier discours ici à Kinshasa, devant les députés provinciaux. Le président a établi, a fait un bilan catastrophique de la gestion du pays. Quand il dit lui-même que 7 sur 10, 10 Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté, quand il reconnaît que les politiques publiques mises en place peinent encore à amener de l'espoir et à faire des colis, le président a parlé de tout ça. Mais quand je vois certains robots communicants comme, comment ils s'appellent, Pius Romain Roland aime bien les appeler, quand je vois certains communicateur de l'Union sacrée du président de la République, défilait toute honte et bue sur le plateau de télévision pour défendre un bilan dont l'auteur lui-même reconnaît qu'il n'existe pas, je me dis alors nous sommes dans quel pays? L'homme le plus honnête de nous tous et de l'Union sacrée, c'est le président lui-même. Parce qu'il ne s'en cache pas, il reconnaît qu'il n'a pas rencontré les ententes des Congolais. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que quand il fait cette analyse-là, à la fin de l'analyse, il ne tire pas la bonne conclusion. Le président devait tirer une conclusion à la François Hollande. Il ne suffit pas de nous dire que ça n'a pas marché. Il ne suffit pas de nous dire que j'ai été bloqué. Encore faut-il tirer les conséquences de cet état de choses. Parce qu'en soi, quand je vois les gens justifiés en disant « Non, 2 ans durant, il était bloqué par Kabila. » Nous, les Congolais, on n'a pas demandé à M. Tshisekedi d'aller faire des mariages avec Kabila. Encore que dans les fonds, si je pose une question simple ici, en termes de mise en place des politiques publiques, vous pouvez nous dire un seul projet pour le développement du pays, une seule loi pour le développement du pays proposée par M. Tshisekedi ou par l'UDPS qui a été bloquée par Kabila? Personne ne vous dira. Personne. Ils étaient en conflit avec Kabila, ils ne s'étaient pas empêchés d'aller dans les réserves d'échange, sortir aux alentours de 500 millions de dollars américains et qu'on a dilapidé dans l'affaire des projets 100 jours. Le procès de Caméré a étalé la manière dont l'UDPS gère le pays. Dans le procès de Caméré, nous avons appris que l'argent du trésor public pouvait quitter la banque pour être déposé, donné en main à une personne dans un hôtel. Le comptable public a dit qu'il a pris l'argent, plus d'1 million de dollars. Il a suivi le ministre de la formation professionnelle. Avec ce sac d'argent de plus d'1 million, il lui a donné en main dans un hôtel l'argent du trésor public. C'est ça l'image de la gestion du régime de M. Tshisekedi et de l'UDPS. L'UDPS, je l'ai dit et je le répète, nous a installé un régime basé sur des faits majeurs. Ça veut dire la jouissance, deuxièmement le détournement et le scandale. Mais quand on commence à justifier et à s'attaquer à cette maison de sondage, je me dis, mais les gens sont malhonnêtes. Prenons les éléments. Le président Tshisekedi a été élu sur base des 2 faits majeurs principaux. Des faits en réalité qui étaient des slogans, mais qui en principe, une fois au pouvoir, devaient être transformés en politique publique avec un programme clair. Quand on a dit le peuple d'abord, ça veut dire que l'action de l'autorité, que l'action de l'UDPS tournera essentiellement sur le bien-être de la population. Que le peuple est la priorité des priorités. Que nous n'allons pas installer un régime
où ceux qui sont au pouvoir vont profiter plus que ceux qui ne sont pas là. Mais 3 ans après l'arrivée de Tshisekedi, regardez ces peuples, vous pouvez dire qu'il y a des politiques publiques qui ont été mises en place et qui produisent des fruits dans le sens de l'amélioration des conditions de ces peuples. Nous avons vu des gens qui étaient locataires, qui étaient venus avec des Éthiopiens et des Kenyans ici dans des classes éco, mais qui aujourd'hui sont des multimillionnaires. Ils ont créé une bourgeoisie comprenant autour de ce pouvoir. Le peuple ne se retrouve pas. Quand ils disent le peuple d'abord, c'est sur quel point? Vous allez contredire le sondage Bercy, amener les éléments contradictoires. Dites à Bercy que vous trompez parce que regardez. Au lieu de dire comme ils ont l'habitude de le faire, non, c'est un montage. Bafuta kibango. Oh, papa. Bofanda na Congo, to bofanda na wapi. Nzalaya na moka eux. Monsieur Tshisekedi nous a trouvé à combien de pourcents d'accès à l'eau? Alors nous parlons, M. Tshisekedi nous a amené à combien de pourcents à l'eau? Il nous a trouvé à combien de pourcents d'accès à l'électricité? Alors où nous parlons, nous assommons. Voilà des questions importantes sur lesquelles l'UDPS doit répondre. J'entends quelqu'un dire, non, vous êtes des mauvaises foi. Et comme le régime se caractérise aussi par la mise en place des projets comme ça en l'air, il y en a quelques 3-4, oh non! Mais dans ce pays, pour aller à Lubumbashi, vous payez combien de billets d'avion? 400 dollars aller-retour, non? Aller-retour, c'était 800. Aujourd'hui, à moins de 200 dollars, vous partez à Lubumbashi. Oh, ils mettent en place les prix des billets d'avion. Mais messieurs, à l'heure où nous vous parlons, vous pouvez faire 2 semaines ici, dans Kinshasa, ici. Vous n'avez pas d'avion pour vous déplacer et aller à l'intérieur. À Kinshasa, encore, ça va, mais à l'intérieur, c'est pire. Les gens sont en train de se battre pour entrer dans les avions, comme ils se battaient pour avoir une place dans un 207. Donc, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont engagé l'État dans une affaire sur base du populisme. Ils ont mis en place une économie dirigiste dans une économie libérale. Ils ont imposé les prix en retirant notamment certains droits aux Congolais. Et quand on leur disait que ça risque de ne pas marcher, personne n'a cru. Personne n'a cru. Aujourd'hui, la conséquence est là. Ça devient cauchemardesque pour circuler ici à l'intérieur du pays parce qu'il n'y a plus d'avions. Bah, qui t'y pris avion soi-disant. Or, avec les prix là, cocotte sa bagage, ils ont 30 kilos na soute, 10 kilos, ça te fait 40%. Bango balobi soi-disant, bah, qui t'y mais bagage est commis 15 kilos na soute, 5 kilos en main. Les gens ont perdu. Service ya catering ou ya kati. Bilo en lien dans l'avion, ba mai bando bezato. Ba longo lien ngozara susuté. En réalité, équité. Mais ils vont au-delà. Parce qu'en imposant ça, ils ont compliqué le système. Ya ba avion. C'est compliqué aujourd'hui. Ils arrivent au pouvoir, ils trouvent la République avec 4 avions que ma tata a acheté. Congo Airways fonctionnait à l'heure où nous parlons. Congo Airways n'a plus même pas un seul avion. Congo Airways est par terre. Congo Airways est par terre. Eux, ils sont en train de distribuer des jeeps. Maintenant, ma tata a écrit à Boïdji Papalissa de Bapessina Sénat. Sénateur plus Nani, Babinga Boba Nani, député, ils sont à 6 à 9. Ma tata a fait des calculs. Une jeep coûte 65 000 $. Quand tu multiplies fois 6 à 9, on est aux alentours de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars peut acheter à la République 2 avions de moins de 10 ans. 40 millions de la République peut faire quoi? Non. Au nom de la jouissance, on a pris cet argent, on est allé jeter chez les députés là-bas. Pour débaucher. Voilà l'UDPS. Voilà le régime de l'UDPS. Il parle des passeports. Passeport est commis à 9 dollars. Zon 9 dollars. Ah, on a pensé caméraman. Quelle est l'affaire étrangère? Zon a un passeport. Soko Rozongo. Gratuité de l'enseignement, les amis. Le président de la République arrive à Tshikapa. On lui dit qu'ici, chez nous, il n'y a pas de gratuité. Le président tente de s'en sortir en disant non, la gratuité, c'est pour les écoles publiques. On lui a dit même dans les écoles publiques, il n'y en a pas. Et le président, meeting, en direct de meeting, il a dit, je veux m'informer. Non. Et m'informer et instruire les ministres. Non. Même la gratuité de l'enseignement, Claudique, elle existe où? Les écoles catholiques ici, Bosangani, Boboto, et les parents ont repris à payer les minervales. Parce que l'UDPS croit que la gestion de la République, c'est une affaire d'humeur.
C'est une affaire de proclamation. Au lieu de proclamer, non. Ils ont lancé la gratuité de l'enseignement sans se rendre compte que cette gratuité-là devait avoir des implications en termes d'écoles qu'il fallait construire, en termes de moyens de financement des écoles. Non, eux, ils sont venus comme ça, la 6, 4 et 2. Brrrr, Tokéi. Mais la lutte contre la corruption, l'état des droits notamment, l'état des droits, le président de la République ou lui-même a fait la remontrance à nos magistrats ici. Il a décrié la mauvaise qualité de l'administration de notre justice lors de son dernier meeting, de son dernier discours sur l'état de la nation, ici, devant les caméras du monde entier. Pouvons-nous parler de la réussite de l'état des droits sans la réussite de la justice? La justice est la colonne de l'état des droits. Vous avez une justice qui claudique, décriée par le premier magistrat qui est le président de la République, mais vous venez nous dire qu'il a installé l'état des droits. L'état des droits avec quelques petits béquilles, c'était la lutte contre la corruption avec des procès spectaculaires dont le plus célèbre c'est celui de Caméré. Mais à l'heure où nous parlons, Caméré est en train de manger calmement en Europe, et Teni Longondo, cité dans l'affaire de il est dit, ba Makabouza, ba Benjamin, toutes les personnes de Jamal, procès à 100 jours. Banda. Finalement, on veut quoi? On veut quoi? Le sondage Bercy a dit que le président de la République avait 29%. J'ai dit non! Si ce sondage-là était sérieux, il est sérieux d'ailleurs, je vais extrapoler. Si on doit vraiment entrer à l'intérieur de ce sondage, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'aura même pas 5%. Qui est ce Congolais qui peut avoir une opinion favorable à son président à l'heure où Nzale Koti Batboelo Kakoli est athée? Vous vous dites que c'est un montage, vous vous attaquez à ces sondages-là. Au lieu de prendre ça au sérieux et de se mettre en disant, écoutez, Makambobato Balobi Total et la Monane, et ça sérieux. Mais le président de la République aura une opinion favorable parce qu'il a fait quoi? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait en 3 ans? Quel est le projet principal? Oyo UDPS Bande Komagina pouvoir et mener et réussir. Exacté. Ba politique publique. Nino bâti en place, eux vont permettre le Congolais à la banque d'amis sur Malonga. Exacté. Mais malgré ça, ils sont en train de rêver en nous disant non. Non. Ils ont un sondage moko caporalisé. Ils ont un sondage moko organisé. Non. La caporalisation, c'est plutôt la très mauvaise analyse que vous, vous faites de la gestion de la République. Vous reconnaissez que le bilan n'est pas élogieux, mais au lieu d'arriver à la conclusion que nous allons déposer. Parce que nous n'avons pas réussi à concrétiser les espoirs que ces peuples avaient placés sur nous, vous venez vous demander encore un autre mandat. C'est contradictoire. Ce que nous attendons en 2023 de ce régime du président Tshisekedi, c'est de prendre son courage et de nous dire en 2023, Congolais, merci beaucoup, vous avez placé vos espoirs sur moi, excusez-moi, j'ai été incapable de répondre à vos espoirs, je démissionne, ou plutôt, je ne brigue plus un autre mandat. J'ai fait une passation civilisée avec un autre président. Les Congolais compétents dans le pays, il y en a. Ceux qui aiment ce pays et qui peuvent apporter un mieux-être, il y en a. Mais quand vous faites des analyses, vous brossez vous-même un tableau sombre de la situation et après vous tentez de le justifier et vous allez même très loin à demander un autre mandat. Je me dis, mais nous sommes dans quel pays? Nous attendons en 2023 la répétition du scénario François Hollande dans le pays. Nous devons aussi, au regard de ce bilan catastrophique de la gestion de l'UDPS, nous devons avoir notre François Hollande. Son nom, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est honnête lui-même dans son honnêteté. Il établit les échecs, les ratés depuis qu'il est là. Il reconnaît que son bilan n'est pas élogieux. La conséquence logique d'une telle étude, d'une telle analyse, c'est le retrait. C'est de dire, puisque tel est le cas, je n'avance plus, je me retire. Alors quand j'entends qu'on est en train de préparer, que lui-même il se proclame déjà président de la République, candidat président, très loin avant les élections, et dans l'histoire du monde, c'est une erreur de foi où vous voyez un président en fonction déclarer sa candidature avant tout le monde. Il évoque des problèmes de temps. Et Taliba Congolais? Pendant que le président nous dit qu'il n'a pas eu le temps, nous on voit comment dans son entourage les gens sont en train de s'enrichir. On sait aux Aïna Mokoyo. On voit dans l'entourage les mutilistes qui sont arrivés en classe éco ici avec Kenya Airways et Ethiopian. Comment aujourd'hui ils voyagent en first, comment ils roulent avec une opulence, un enrichissement arrogant, insolent. Eux, ils n'ont pas vu le temps.
Ils n'ont pas subi les blocages de Kabila. Quand il faut parler du peuple, on dit Kabila nous a bloqué. Mais Kabila vous a bloqué. Aux yeux morts, on t'en a ramené nos. Bon, on a dit Villa à Kabound. Avant d'arriver au pouvoir ici, il y a 3 ans, Kabound avait cette maison-là. Kabound n'avait pas cette maison-là. Où il a trouvé l'argent? On va me dire qu'il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je l'accuse de rien. Peut-être qu'il a pris un crédit en banque. C'est possible. Mais je me suis seulement rendu compte que le pouvoir a fait que M. Jean-Marc Kabound puisse avoir une très belle maison. C'est ça le pouvoir. Donc, soyons logiques avec nous-mêmes. Je confirme à mon point de vue que Bercy, le sondage de Bercy est vrai. Je vais même aller plus loin en disant que Bercy a été gentil en tirant les conclusions de 29% des tensions favorables. Le président Tshisekedi doit avoir moins de 5% des tensions favorables. Je ne vois pas ces Congolais qui peuvent avoir une intention favorable sur la gestion de notre président. Je ne vois pas. Sauf s'il vit à l'air. Pour n'en pas si on va trouver mon anabanzalo, niveau mok et baby. Yo peno yé Congolais, ou fanara ou la Congo. Ou la mougarana biso, nabanzala Congo. Courant ezate, ma ezate, foufou ezate, l'orali ezate. Allez, yo va tout n'y au sondage, opinion positive. Ah non, c'est en sérieux quand même. 29% que tu vas pécimine belé. Faut vous attendre à 2,5%, 3%, ils aient belé 3%. Mais ils critiquent encore, ils disent non, bah récupérer. Non. Le président Tshisekedi a encore plus d'une année. Peut-être qu'il peut arranger les choses. Mais à l'heure où nous parlons, depuis qu'il est arrivé là, son bilan est négatif. Et nous pensons que si ça continue comme ça, il doit prendre son courage en 2023 pour dire, les amis, je suis désolé, je n'ai pas pu vous rencontrer par rapport à ce que vous attendiez de moi, je me retire. C'est ça la conséquence logique qu'on attend de lui. Après tout ce que les gens racontent, on sait qu'à l'UDPS, on aime bien raconter. Et M. Sidi Bandeko, bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.